compris. Les guettes sur la Larrey se sont sans doute répliquées. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. De faire cette mission. Shepard a bien parlé aux agneaux. Même pendant l'audience, Talizora n'a pensé qu'à protéger la flotte. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'a parlé si bien. Talizora Vasnima. Oh, pardon, Vas Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait. Sur ordre de l'amiral Rahn, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine Shepard Vas Normandie. Vous avez des infos sur ce qui nous attend à bord de la Larrey? Je ne sais pas grand-chose, je regrette. Seule une poignée de Marines est revenue de la première opération d'abordage. Ils se sont heurtés à une forte résistance. Les guettes étaient plus nombreux qu'il n'aurait dû. Il n'aurait pas dû y en avoir du tout. C'est exact. En fait, on soupçonne les guettes d'utiliser les matériaux prélevés sur la Larrey pour produire ou réparer d'autres modèles. J'ai encore à faire avant de partir. Compris. La navette sera prête au départ dès que vous le serez. Talizora, j'ai pas maintenant. Vous êtes prêt à prendre la navette pour la Larrey? Partons pour la Larrey. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les guettes, Talizora. Qui la sélaille. Pour la Larrey. Prenez la Larrey aux mains des guettes. Les mains des guettes. Préparer le pouvoir de Tali. La côte bord. Drone d'attaque. Ça, je l'ai blindé, je l'ai mis au taquet. Le piratage d'IA. Ok. Hop. Ensuite. Ok. Okay. Thanks for the host, Typhoon. Merci pour le host. Joli.
Un petit instant. C'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyées à Pearl. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'avais pas identifié. Je l'ai trouvé sur Aestrom. Vous jugez de la qualité d'une pièce sur quels critères ? Elle devrait être fonctionnelle, en état d'être analysée puis intégrée à une autre technologie. La priorité allait aux technologies nouvelles. Tout ce qui pouvait témoigner de leur progrès et de leur mode de pensée. Comment avez-vous transmis ces pièces à votre père ? Il m'est arrivé de laisser des colis en expédition restante dans les zones civilisées. Les pèlerins de passage veillaient ensuite à ce qu'ils soient acheminés à la côte. Je signalais à mon père les découvertes les plus prometteuses et il dépêchait un courrier sur place. Aestrom était une zone de guerre. Comment avez-vous fait pour récupérer du matériel au milieu de tout ça ? Ces combinaisons ont plus de poches que vous ne croyez. Les Cariens ont appris à recycler les ressources dès que l'occasion se présente. Dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Nous ne sommes pas des porte-chats. Mais nous réparons ce que la plupart des... Les gens bazarent. Plusieurs centaines de nos vaisseaux n'étaient que des carcasses disloquées. Trouvées errantes dans l'espace ou achetées pour une bouchée de pain. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici. Non, je ne sais pas, je sais pas. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'auto-réactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence, ou que mon père soit responsable de ce gâchis. C'est mon jour de chance, on dirait. Nous avons verrouillé la navigation et désactivé les systèmes d'armement. Notre erreur ne mettra pas la flotte en danger. La porte ne leur résistera plus très longtemps. Désolée, tellement désolée. Jonah, si tu entends ce message, sois fort pour papa. Maman, t'aime tendrement. Oh.
Préparez-vous au combat. La console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes exploitables. Il se livrait des expériences sur des systèmes gays pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. D'après vous, tester des armes sur les guettes était justifié? Il n'est pas question de tests sur prisonniers, Shepard. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père. Même s'il les a assemblés, ça n'en... Vous avez vu comment sa reine et Sovereign ont utilisé les guettes. Toute recherche susceptible de nous donner un avantage est bonne à prendre. Vous saviez quel genre de test votre père fait? Mon père m'a seulement réclamé les pièces de technologie guettes que je pourrais lui livrer sans compte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers guettes. Ces données pourraient vous innocenter? J'en doute. Pour l'essentiel, il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion. Je ne comprends pas tout. Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les guettes. Rien dans ces données ne le spécifie. Si c'est le cas, Père a pris un risque effroyable. Qu'avez-vous fait, Père? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde. Et c'est comme ça que vous comptiez nous ramener chez nous. Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre monde. Vous parlez sans savoir. Vous avez une planète qui vous attend. La coque de nos navires et tout ce qui sépare mon foyer de l'anéantissement. La flotte est votre foyer. Ne la sacrifiez pas dans une guerre inutile.
inutile. Shepard, si je ne porte pas de masque sur ma propre planète, je mourrai. Un seul baiser m'expédierait à l'hôpital. Vous touchez des fleurs de vos mains nues. Vous respirez leur parfum sans filtre. Tout cela est impossible pour moi. Maudit soit le pèlerinage. Sans lui, je n'aurais jamais eu conscience de ses interdits. De ce que nous avions perdu dans notre exil. Les Cariens n'ont jamais envisagé de coloniser un autre monde. Nous aurions déjà bien assez de mal à nous réacclimater à notre propre environnement. Nous adapter à une colonie étrangère serait plus pénible encore. Voilà l'héritage de 600 ans d'exil. Au nom de tous ceux qui rêvent d'une vie débarrassée de leurs masques, nous devons reprendre notre planète. À défaut d'autre chose, on peut leur reprendre ce vaisseau. Allez. Un moyen de t'en sortir, un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de stase embarqué. Tu ne peux pas! C'est impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Tu n'as pas le droit! Tali, il essayait de vous aider de la seule manière qu'il connaissait. Il n'a jamais voulu vous abandonner. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il partait au combat, au kimono, je voulais un père qui prenne du temps pour moi. Qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque. Au lieu de ça, j'ai des ordres. Et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahi. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Vous avez aussi hérité de son intelligence et de la meilleure formation militaire de la flotte carienne. Vous avez raison. Je sais ce qu'il ferait, mieux que n'importe qui. Il devait savoir que je viendrais. Il a sûrement laissé un message. Sur le pont.
empêcher leur fonction IFI de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi que Anker et les Daroxen examinent ces données. Il faut qu'il y ait. Merci, papa. Il savait que vous viendriez. Il essayait de vous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi, ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça, ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Console est relié au réseau principal, mon père a parlé. Sa désactivation neutralisera les guettes qui nous ont échappé. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Non, il le faut, je le sais. C'est juste que... c'est atroce, je sais pas. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. Sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte m'enchante? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. Raïel Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez prise au piège de la politique. Ne comprenez pas, Sheba. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Sheba. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce qu'en diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Sheba. Mais je vous en prie. Ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance.
choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que Talizora a survécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Nous devons avoir confiance. Ça ne fait que quelques heures. Nos Marines n'ont pas tenu 5 minutes, amiral. Inutile de se voiler la face. Quel dommage que Shepard Basse-Normandie manie mieux le discours que les armes. Je suggère d'exiler Talizora à titre posthume. Quoi ? Nous étions d'accord pour lever les charges si elle était tuée en opération. Ce n'était qu'une suggestion, amiral. Rien n'a été décidé. J'en appelle donc au vote sur la question. Très bien. La commission est-elle prête à rendre son jugement ? Désolée du retard. Talizora Basse-Normandie a sauvé la Larei. Voilà qui devrait vous convaincre de sa loyauté envers vous. Sa loyauté est indiscutable. Son jugement l'est beaucoup moins. Talizora pourra peut-être nous démontrer la fiabilité de son jugement. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Larei ? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-il de nouvelles pièces à produire au procès ? Tali a contribué à la défaite de sa reine et des guettes sur la citadelle. Ça devrait vous suffire. Je ne vois pas la pertinence de... Tali n'est pas l'enjeu de ce procès, n'est-ce pas ? Seules les guettes vous intéressent. Cette audience n'a rien à voir avec les guettes. Vous voulez fraterniser avec les guettes. Angerel veut la guerre. Aucun de vous ne se préoccupe du sort de Tali. Elle en sait plus sur les guettes que n'importe quel carien. Vous devriez l'écouter au lieu de la calomnier. Talizora a sauvé la citadelle. Elle a sauvé la Larei. Elle a prouvé à la galaxie la valeur du peuple carien. Je ne vois pas de preuve plus éloquente que celle-là. Les amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement ? Talizora, à la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de conclure à votre culpabilité. Vous êtes disculpé des charges formulées contre vous. Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Si vous me respectez, alors écoutez-moi. Les moissonneurs arrivent, et votre aide ne sera pas trop contre eux. Ne dilapidez pas vos ressources dans une guerre inutile. Merci, commandant Shepard. Cette commission examinera votre conseil avec le plus grand sérieux, je l'espère. L'audience est levée. Allez en paix, Talizora Basse-Normandie. Qui la cela aille. Qui la cela aille. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendu comme vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt amusante. Tali, ce qu'a dit votre père, ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, Shepard. Vous. Venez, Talizora Basse-Normandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, capitaine. Intéressant. Mission technologie dégâts. Ok, merci. Tali et Shepard ont un sacré don pour le massacre de synthétique. C'est une chance de les avoir avec nous. Shepard ? Comment êtes-vous monté sur le Raya ? Shepard est venu m'aider à affronter le boss. C'est ce que j'ai vu. Vous avez convaincu les amiraux d'acquitter Tali. C'était une sacrée plaidoirie. Il y a quelque chose que je peux faire pour vous ?
Vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet des récolteurs? Rien de neuf, désolé. Chaque fois que j'essaie de fouiller dans ses souvenirs, je... Vator, reprenez-vous. Tout va bien. Je suis désolé, Tali. Commandant, je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. Je n'ai rien vu, et ce dont je me souviens... Ne vous en faites pas, Vator. Je retrouverai ceux qui vous ont fait ça, et je leur ferai payer. Bien, merci. Prenez soin de vous, Vator. Ce que vous avez traversé aurait rendu fou n'importe qui. Je n'en suis pas sorti indemne. Mais merci, commandant. Je ne serais jamais arrivé où j'en suis sans votre aide. Impressionnant discours, commandant Shepard. Mais venons-en au fait. Avez-vous retrouvé les travaux de Ryan Zora sur la Larrey? Rien qui puisse vous aider, amiral. Dommage. Eh bien, ce qui a été créé peut l'être à nouveau. J'ai particulièrement apprécié que vous dénonciez les atermoiements de l'amirauté. Et je suis ravie que Tali n'ait pas été exilée. J'espère que vos gens trouveront une solution qui n'implique pas une guerre dévastatrice avec les Geth. Un espoir que je partage, commandant. Un espoir que je partage. Bien parlé, Shepard. Étrange qu'il faille un commandant pour rappeler les amiraux à leur honneur. Ravi qu'ils aient relâché la pression, dame, et que vous n'ayez pas été forcé de leur donner les preuves de la Larrey. Je ne vous ai jamais parlé d'une preuve quelconque, Cal. J'ai remarqué, madame. Votre prochaine affectation... Vous savez où vous allez être affecté? Je vais balader des techs à l'affût de concentration d'énergie noire. Peut-être qu'ils trouveront ce qui les provoque. Mais où qu'ils m'expédient, ce sera forcément plus calme que sur Aestrom. Vous croyez que les amiraux vont essayer de reprendre votre monde? Je ne suis pas du genre à me défiler. Mais si les amiraux lancent la flotte sur les guettes, ce ne sera pas beau à voir. Le mieux, ce serait d'explorer d'autres options. Mais un soldat... Vous croyez que les amiraux vont essayer de reprendre votre monde? Je ne suis pas du genre. Ça sera pas beau à voir. Le mieux, ce serait d'explorer d'autres options. Mais un soldat n'ira pas déballer ça, à moins que ses supérieurs lui demandent. Vous croyez que les amiraux vont... Le mieux, ce serait d'explorer d'autres options. Faites attention à vous, Régard. Vous aussi, Shepard. Madame. Cal, appelez-moi Tali. J'essaierai, madame. La Larrey est un bon début, mais on est loin d'en avoir terminé avec les guettes. Shalama. Les amiraux pensaient vous embarrasser en vous contraignant à représenter Tali. Je me réjouis qu'ils se soient trompés. Vous n'avez pas parlé de survivants. Tu as trouvé Rael, Tali? Je suis sûre qu'il t'aurait laissé un message s'il en avait eu le temps. Rael a laissé un message, c'est vrai. Pour donner des ordres à Tali. C'est tout ce qui comptait pour lui. Je sais la pression que vous en tirez, mais la sécurité de la flotte était ce que Rael voulait offrir à sa fille. Ce n'est pas ce que je voulais de lui. Je sais. Mais c'est tout ce qu'il était à même de t'offrir. Bonne chance dans votre mission. La flotte sera toujours à vos côtés, quel que soit l'enjeu. Killa Zelaï. Killa Zelaï. Killa Zelaï. Je savais qu'il n'oserait pas exiler Tali Zora. Vous nous avez sacrément bousculé, Shepard. Et à juste titre, merci. Tali n'aurait jamais dû être mêlée à cette querelle. Mais parlons franchement, qu'avez-vous trouvé là-bas? Vous avez bien parlé, mais vos demi-vérités ne me trompent pas. C'est la faute de Rael. Au bout de décider, Tali, rien qui vous intéresse. De vous à moi. Rael Zora réactivait les guettes et les connectait en réseau pour ses tests d'armement. Killa. Gardez ça pour vous, Han. Vous avez ma parole. Merci d'être resté discret. La nouvelle aurait sali la mémoire de ton père. Je suis heureux que tu n'aies pas à payer pour ces erreurs. Porte-toi bien, Tali. C'est très gentil. C'est plus de conciliation et... Très impressionnant, Shepard. Merci pour votre aide sur la Larrey. Et merci d'avoir soutenu la fille de Rael Zora. Vous lui avez épargné une cruelle injustice. Nous avons eu tort de laisser l'angoisse de la guerre peser sur le procès de Tali. Miser sur la paix, il faut que j'y aille. La guerre est inévitable. La galaxie a besoin de voix comme la vôtre, amiral. Bonne chance. Merci, commandant. Merci. Merci. Bon. Alors, on va visiter un peu le vaisseau, puis après, on bouge. Tous ces discours de guerre me font froid dans le dos. J'espère que ça n'a rien de concret.
partir de là. Je pense qu'il n'y a plus rien maintenant. Je peux y aller. Tali et Shepard dans un sacré don pour le massacre de Savetic. Une guerre avec les Geths serait désastreuse. Jamais nous ne reprendrons notre monde. Félicitations, Tali Zora. J'étais sceptique sur ton choix de capitaine, mais je constate que je me suis trompé. Merci, capitaine. Je suis ravi que tout ça soit terminé. Tu auras toujours ta place sur le Raïa, peu importe quand tu décideras de rentrer. Bonne chance. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Merci, Kate. Merci d'avoir vengé ma fille. Commandant Shepard, c'est Ariot Tilok qui m'a indiqué comment vous contacter. Bienvenue sur le stream Valranox. Welcome on the stream. Je suis Diana, la mère de Neff. Nous nous sommes rencontrés lorsque vous êtes... Ah oui, lorsque vous êtes venu enquêter sur sa mort. Aria m'a également dit qu'une Asari avait été trouvée morte dans l'un de ses appartements de luxe, qu'il s'agirait de l'assassin de ma fille. Oui, on a tué Mordine, la fille de Samara, et donc qui avait tué la fille de Neff. Merci à vous, je ne suis pas... la fille de la dame, et puis elle s'appelle Neff, la petite. Ma petite fille... Ma petite Neff méritait bien mieux que ce terrible sort, je n'ai rien pu faire pour elle, mais je suis contente que vous ayez buté la traînée qui lui a ôté la vie. Avec mon éternelle gratitude, Diana. Voilà. Bouclier à noyaux multiples, cool. Tac. On va développer une nouvelle technologie et faire la mission de Jacob. Je pense qu'on a quasiment terminé avec les missions de loyauté. Barrière cyclone avec protection cinétique. À oscillation rapide ajoutée au vaisseau. Ce dernier pourrait résister aux attaques similaires à celles qui ont détruit le premier Normandie. Ah cool. Et dans le prototype, puissance du bouclier Geth. Shepard, que puis-je faire pour vous? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. On va faire une mission de loyauté de Jacob. On se rend tout de suite sur la carte. On va un peu parler avec Kelly. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mon intuition féminine me dit qu'elle veut que vous soyez plus que bons amis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça se voit dans ses gestes, la façon dont elle se tourne quand vous entrez, dont elle épie le moindre de vos mouvements. Je trouve les Cariens fascinants, mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. De la peine? Pourquoi ça? Ils ont des combinaisons magnifiques, mais à cause de leur système immunitaire, ils en sont prisonniers. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque, quelle est la consistance de leur peau. Ouais. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Je vais voir Tali. Histoire de valider le fait que je l'ai aidé pour son père. En tout cas, est-ce que son père soit pas traîné dans la boue? Elle est de quel côté, elle? Là, il y a le Grey et Grant. Il y a Jack en bas. Normalement, là, il y a Samara.
Ah non, là c'est Zaïd. Ah oui, elle est là. Killa, je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. Tous ces débats stériles, le scandale causé par mon père. Je n'avais que vous sur qui compter, Shepard. Vous êtes le seul à avoir pris fait et cause pour moi. Merci. J'imagine que la commission finira par remplacer votre père. Ça ne risque pas de bouleverser l'équilibre des forces. Je n'en sais rien. L'exil m'aurait facilité les choses, peut-être. Certaines personnes ont avancé mon nom pour lui succéder. Mais remplacer un amiral prend du temps. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais les Cariens aiment se perdre en débats interminables. Do you play to the game? Vous jouez au jeu? Tu joues au jeu, Valoranox? C'est toujours comme ça. La politique carienne ressemble toujours à ça? Non. Parfois, c'est encore pire. Malgré ces combinaisons qui nous enferment, ou peut-être à cause d'elles, nous sommes un peuple social par nature. Et c'est justement cette disposition qui nous pousse à l'ingérence dans les affaires des autres. Ce procès était une insulte. Vous méritiez qu'on vous laisse le temps de porter le deuil. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Mais mon père serait fier que j'honore sa mémoire en exterminant les guettes. Je dois reprendre le travail. Merci de votre sollicitude. Voilà. Toujours important de valider les fins de quête. Toujours un peu quelques points de conciliation, de pragmatisme à récupérer. Bon. Tac, Miranda, Garrus. Est-ce que j'ai parlé à Miranda pour sa sœur? Après ça, on go faire la mission sur Jacob. Je pense qu'on a fini toutes les missions de loyauté. Miranda. Elle est là. Tu joues pas Mass Effect 2? Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Bien sûr, je viens juste... Vous m'impressionnez, Shepard. Pour l'instant, tout se passe à merveille. De toutes les opérations de Cerberus auxquelles j'ai participé, c'est l'une de celles qui se déroule le mieux. Peut-être parce qu'elle ne relève pas de Cerberus, justement. À vos yeux, peut-être. Mais j'en réfère directement à l'homme trouble. Et je suis là parce qu'il veut que j'y sois. Cerberus vous a donné une deuxième chance, commandant. Vous devriez peut-être en faire de même pour nous. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour s'attirer une telle loyauté? C'est vrai que vous méritez de le savoir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais génétiquement modifié? Eh bien, je n'ai pas choisi de l'être. Mon père m'a... créé. C'est un homme très puissant et très autoritaire. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une fille. C'était une dynastie. Je me suis enfuie dès que j'en ai eu l'âge et le cran. J'ai contacté Cerberus parce que je savais qu'on me protégerait. Je savais qu'on me protégerait. Vous avez l'air capable de vous défendre. Vous aviez vraiment besoin de Cerberus? Mon père avait dépensé énormément pour sa dynastie. Il n'était pas question de partir et d'en rester là. Je savais qu'il tiendrait à récupérer ses investissements. Je suppose que Cerberus est bien content d'avoir vos capacités surhumaines. Évidemment, tout ce qui peut promouvoir la cause humaine, ça les intéresse, modifications génétiques comprises. Mais contrairement à mon père et à ses raisons égoïstes, Cerberus et l'homme trouble ont à cœur le bien de tous. Ils ont une vue d'ensemble de la situation, et j'y joue un véritable rôle. Vous parlez de vous comme d'un outil, à la disposition de votre père, de Cerberus. Possible. J'aime connaître ma place dans le monde. Ça m'aide à donner un sens à ma création. Ce sont vos actes qui vous définissent, Miranda. Inutile d'invoquer des prétextes. Facile à dire pour vous. On a tous les deux été conçus pour accomplir des exploits, Shepard. La différence, c'est que vous, vous en aviez déjà accompli avant qu'on vous reconstruise. Les exploits, c'est par la force de son esprit qu'on les accomplit, par sa personnalité. C'est aimable à vous. J'ai un peu de mal à vous croire, mais... merci. Ok. Qui est votre père, au juste? Un homme d'affaires. Un homme d'affaires très riche. C'est ironique. Mon père était fermement convaincu qu'il fallait soutenir l'effort humain. Il faisait des dons généreux à Cerberus, avant que j'en fasse partie. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Cerberus pour la première fois, grâce aux relations de mon père. Vous parlez de vous comme d'un outil, un outil à la disposition... Possible.
J'aime connaître. Ce sont vos actes. La différence, c'est que vous... Vous m'avez beaucoup parlé de votre père. Et votre mère. J'en ai jamais eu. La majeure partie de mon matériel génétique est basée sur les tissus de mon père. Son chromosome Y a été modifié à l'aide d'un amalgame de traits souhaités, issus de diverses sources. Vous imaginez l'arrogance ? C'est quand même le comble de l'égocentrisme. Raison de plus pour le fuir à toutes jambes. Merci pour tout, Miranda. On se revoit plus tard. Quand vous voulez, commandant. On sent beaucoup sur le passé de Miranda. Est-ce que j'ai discuté après de la mission de loyauté de Garrus ? Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Alors... La doctoresse, on va la laisser, la docteur. Jack... Bon, allez vite faire la mission de Jacob. Ah oui, je vais changer de vêtements. Camino Shepard. Ça met une musique de fond. Ah quoi, j'ai déjà celle-là. Ah oui, j'ai pris celle-là. Développé par Tyriel Advanced Communication Corporation, TACC. Non seulement une protection exceptionnelle, mais il inclut également un système de traitement en lieu de pointe, grâce auquel les messages reçus sont d'une netteté et d'une résonance sans pareil. On compte les bonus de négociation de 10%. Composé d'une série de plaques en céramique imbriquées, vêtu d'un alliage de tungstène, tressé et breveté par une résistance en paracrèche. Juste la santé, ok. Une bateau corps à corps. Dégâts de pouvoir. Allez, on a dégâts de pouvoir. Réserve de munitions. Pour avoir un mecha. L'arme de 5% et le bouclier de 5%. Comme ça.
bouclier de 5%. Réserve de munitions. Santé 10%, mission de 10%, plié 3%. Maximum bien. Bon. Niveau 20. Hz. Cette planète encore non baptisée est une géante gazeuse hydrogène hélium avec 21 objets de la taille d'une lune. Demi grand axe 9,3 IT. Lancement d'une sonde.
sonde larguée. Sonde larguée. Sonde déployée. Scientifique à Sol. Cette planète isolée semble avoir fait partie de la liste de relais cosmodésiques interdits qui ouvraient sur l'espace inexploré. Le peu de données disponibles à son sujet provient d'une sonde de passage qui a relevé deux planètes gravitant autour d'une aile blanche. Le propre scan révèle des informations autrement plus intéressantes. Cette planète dans la zone d'habitabilité circonstellaire dispose d'océans d'eau liquide et d'une atmosphère modérée à base d'azote et d'oxygène propice au développement de la flore carbonée. Il pourrait bien s'agir d'un monde Éden encore inexploré. Il peut de détresse générale. MSV Hugo Gernsback, immatriculation. D'avoir récolté les ressources. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Sonde larguée. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Tirer à la tête peut détruire un méca, mais il peut aussi le faire exploser. Gardez vos distances. Talala. Alors, on va prendre la coque, de toute façon on est obligé.
quasiment intacte en plus. C'est possible qu'ils aient survécu au crash, mais ça fait des années. Oui. On dirait qu'ils l'ont démantelé après le crash. La priorité, ça devait être de monter une balise. Alerte toxicologique, danger de dégénérescence neuronale rapide, incompatibilité chimique entre la flore locale et la physiologie humaine. Annulation, balise réactivée, temps de veille, 8 ans, 237 jours, 7 heures. Visiblement la balise est là depuis un bon bout de temps. Pourquoi attendre des années avant d'émettre ? Veille du protocole balise, 8 ans, 237 jours, 7 heures. Veille archivée sous... Archive supprimée par le capitaine suppléant Ronald Taylor. Tu te trompes. Mon père était premier officier. Ronald Taylor a été promu en vertu des protocoles de commandement d'urgence. Autre problème recensé. Faille de sécurité lors de la décélération. Nourriture locale et dégénérescence neuronale. Protocole d'activation de la balise. Qui commande ce vaisseau? Où sont les survivants? Capitaine Harris Fairchild, réputé mort suite à la descente suborbitale non planifiée. Premier officier Ronald Taylor, promu capitaine suppléant. Mais où il est maintenant? L'emplacement des survivants du Hugo Gernsback est inconnu. Cette balise est restée à l'abandon pendant plusieurs cycles de maintenance. Par faille de sécurité lors de la décélération. Tu parles du crash, j'imagine. Fais-moi un topo. Suite à un impact non spécifié et un dysfonctionnement du moteur subluminique, le Hugo Gernsback a effectué une descente non planifiée à 465% de la vitesse suborbitale théorique recommandée. Le Hugo Gernsback a ensuite décéléré à 782% de la vitesse d'approche théorique recommandée, ce qui a occasionné des dégâts structurels et personnels importants. Pourquoi est-ce que tu compares le crash aux vitesses théoriques ? Le Hugo Gernsback a été construit hors monde. Il ne se prête pas à la descente suborbitale. Cette procédure a donc dépassé les paramètres opérationnels. Qui commande ce vaisseau? Où sont les survivants? Capitaine Harris Fairchild, réputé mort suite à la descente suborbitale non planifiée. Et où il est maintenant? L'emplacement des survivants du Hugo Gernsback est inconnu. Cette valise est restée à l'abandon... La nourriture locale altère les fonctions cognitives. Concrètement, ça donne quoi? La dégénérescence des fonctions mentales causées par un déséquilibre chimique se manifeste dans les 7 jours suivant l'ingestion de la flore locale, indépendamment de toute décontamination ou préparation. L'impact sur les fonctions cognitives évoluées et sur la mémoire à long terme est cumulatif, mais sensible dès un mois standard. Nous ne savons pas si la dégénérescence est réversible. Collecte de données inachevée. Pourquoi la balise n'a pas été activée jusque-là ? Cette balise d'urgence est devenue fonctionnelle après 358 jours et 12 heures, suite à la descente suborbitale non planifiée du Hugo Gernsback. Activation déclenchée à distance après 8 ans, 237 jours, 7 heures, sur l'ordre du capitaine suppléant Ronald Taylor. Veille du protocole balise archivée sous, archive supprimée. Allez, on continue. Jetons un œil à ce vaisseau. Mon père avait une balise opérationnelle depuis pas loin de 9 ans. Peut-être qu'il souffre de cette dégénérescence neuronale. Après 10 ans, c'est forcé. Vous êtes venu ? Du ciel ? Le chef avait dit qu'on viendrait. Il aura fallu du temps, mais son pouvoir est réel. Il y en a qui ont perdu la foi. Les chasseurs. Ils ont dû vous voir venir. Ils ne vous laisseront pas l'aider. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes en plein délire. Je ne sais plus comment dire. C'est notre chef.
Nous sommes avec lui pour pouvoir rentrer chez nous. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ils ont été rejetés. Il les a exilés et depuis, il chasse ses machines et ceux qui l'aident. Il ne croit pas au secours. Attention. Des chasseurs. Leur seul but est de tuer le chef. Tuez-les. Les agents du menteur. Il ne s'échappera pas. Ennemis repérés. Tuer. Mais chaque jour, d'autres arrivent. Ils veulent se battre. Nous, on veut juste rentrer. Elle a perdu l'esprit. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'un peu plus cohérent. Attends, on va visiter le vaisseau avant, alors. C'est là de tout.
complètement désossé. Il va être à court de matos. Ces chasseurs le tiennent par la peau des couilles. C'est une colonie? J'espère qu'on sera mieux accueillis que sur la plage. J'ai besoin de réponses. Aucun homme ici. Peut-être que les sexes sont affectés différemment. Et c'est ce qui ferait que seuls les hommes deviennent violents. C'est possible. Mais la femme sur la plage a dit que les exilés étaient revenus en tant que chasseurs. Pour l'instant, peu importe. Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous dire ce que mon père a à voir là-dedans. Vous avez son visage. Il a promis d'appeler le ciel, mais il n'en voit rien. Il nous a forcés à manger, à pourrir. Vous avez le visage du mal. Pas très flatteur, ni pour le fils, ni pour le père, Jacob. Pourquoi mon père forcerait son équipage à manger quelque chose de toxique? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut y mettre un terme. Regardez un peu ses réserves gâtées. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il se nourrisse uniquement de cette bouffe locale toxique. Il a un visage cruel. Cruel visage. Partez. Vous êtes comme lui. Je ne peux pas vous parler, Je ne veux pas être puni. Il nous garde en vie. Il nous protège. En échange, nous le servons comme il désire. Les chasseurs vont vous tuer. Ils se battent parce qu'il les a exilés. Ils ont trop attendu. Nom de... Quelqu'un a dû les pousser à bout pour en arriver là. Ça frôle la vénération. Il est mauvais. Il a un visage mauvais, comme l'autre. Comme lui. Vous allez me faire du mal. Il abat son équipage pour asseoir son autorité. C'est affreux. Il ne devait pas être très populaire, mais c'était peut-être une mesure de défense. Vous avez son visage, mais vous combattez ces machines. Vous pouvez peut-être arrêter tout ça. J'ai oublié comment lire, mais c'est comme ça que tout a commencé. Ces promesses, ces actes, le ciel nous appelle. Il faut appeler le ciel. Jacob, qu'est-ce qui a marqué? C'est un registre de l'équipage. Certains trouvaient que la réparation de la balise prenait trop de temps. Craignait d'être à court de réserve et de succomber à la dégénérescence. Mon père a réservé les rations pour lui-même et les autres officiers, pour qu'ils ne soient pas affectés. Le reste de l'équipage a été obligé de manger la nourriture toxique, en espérant recevoir plus tard un traitement. Le reste, c'est un état des pertes. Cette décision a provoqué une mutinerie. Mon père et les officiers ont ouvert le feu avec les mécas. Il n'avait pas la trempe d'un officier et ça l'obsédait. Le seul moyen qu'il avait de se faire respecter, c'était par la force. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu de plus en plus d'incidents, de plus en plus de répressions. Ils étaient traités comme du bétail ou des jouets. Un an plus tard, tous les hommes sont exilés ou morts. Ils ont séparé les femmes. Ils les ont réparties entre les officiers comme des animaux. Et une fois la balise réparée, les officiers font partie des victimes, eux aussi. Mon père a pris le contrôle et tout a continué. Vous trouvez quelque chose sur un éventuel traitement contre la nourriture toxique? Rien, mais sa décision paraît justifiée. Si tout le monde est atteint, qui va réparer la balise? C'était une injustice nécessaire. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont réussi à la réparer. Pourtant, le signal n'a été envoyé que récemment. Je commence à comprendre pourquoi.
Vous trouvez une explication à la séparation des hommes et des femmes? Non, ça devient illisible. Peut-être que les hommes ont manifesté, des signes de violence dès le début. Mais en jugé par cet endroit, les chasseurs ont dû... Non, Shepard. Je ne vois pas la moindre justification à ces actes. On n'a pas vu les autres officiers. Il les a tués? Après le crash, il en restait 5. Médecin, ingénieur, officier de pont. Le panel idéal pour réparer la balise et maintenir l'équipage en bonne santé. Tous ont été tués la même semaine. Environ un mois après la réparation de la balise. Vous avez une explication? C'est votre père. Vous croyez? Ça ne rime à rien. La décision initiale passe encore, mais le reste, c'est clairement de l'abus de pouvoir. Je dois trouver cet homme. Ok. Faire juste un truc. J'ai mal au genou. Tac. Ici le capitaine Ronald Taylor. Vous arrivez pile. Mon équipage a pété les plombs et je viens à peine de m'échapper. C'est bien lui. Il vient de s'échapper. Il couvre ses arrières, oui. On dirait que le vieux cadavre a été mis là pour intimider. Les autres ont été laissés sur place. Les chasseurs se sont biffés. Voilà qui devrait les affaiblir. Prêt au combat.
Ok. Ça comme ça. Je prends juste des vidéos, c'est pour ça. Voilà qui devrait les affaiblir. J'engage la cible. Préparez-vous au combat. Bien profité, maintenant il peut filer à l'anglaise. Quel fumier. Avec la vie des autres. Ce monstre n'est pas mon père. Chargé!
voir mon père face à face, l'entendre se justifier. C'est bon. Ah, vous voilà. Je savais qu'un vrai commando n'aurait aucun problème à se frayer un passage. J'espère que les mécanes ne vous ont pas trop retenu. Quand on sera de retour dans l'Alliance, je vous trouverai une belle récompense. Je dois avoir pas mal d'arriérés de sol. Et votre équipage, capitaine suppléant? Un désastre. La nourriture toxique les a rendus sauvages. Ils m'ont hissé là comme si c'était une sorte de rituel. Il a fallu que j'envoie le signal à leur insu. Un vrai calvaire. T'as rien trouvé de mieux? Vous laissez tous vos hommes tutoyer leurs supérieurs? Et qui êtes-vous, au fait? Commandant Shepard, du Normandie. Je crois que vous connaissez déjà Monsieur Taylor. Taylor? Jacob? Non, pas Jacob. Pourquoi pas moi? Tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement ces 10 années de crime? Comprenez bien une chose. Ce n'est pas de ma faute. Le commandement, ça vous change un homme. Je n'y étais pas préparé. Avant de partir, j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires. J'espérais pouvoir m'en tenir à ça. 10 ans, Taylor, pourquoi? Je sais me montrer raisonnable, capitaine. Mais 10 ans, que s'est-il passé? Bon sang! Pourquoi avoir fait ça à ton équipage? Ils se sont opposés au plan. Nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre. Ensuite, ça s'est calmé. La dégénérescence est apparue et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait. Certains avaient l'air heureux, reconnaissants même. Aux innocents les mains pleines, comme on dit. C'était facile d'asseoir mon autorité au début. Après quelques mois, le grade, le protocole, tout ça n'avait plus cours. Ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire. Si bien qu'il a fallu les soumettre par la force. Rapidement, je me suis fait à ma nouvelle vie. C'est tout? T'as joué au dieu dans ton harem? 10 ans à vivre dans un fantasme d'adolescent? J'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé. Mais une fois la valise en état, je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire. Que sont devenus les autres officiers? Anders a eu un cas de conscience. Trop tard pour faire machine arrière. La discussion s'est envenimée. Il y a eu un accident. Au final, c'est moi qui commande les Mika. J'ai été forcé de sévir pour me faire respecter. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, je suis resté bienveillant envers mon peuple. Dans un sens, j'avais gagné la paix. Vous vous êtes disputé l'équipage comme si c'était des jouets, des objets. Les réserves du vaisseau ne pouvaient pas durer indéfiniment. Vous deviez vous attendre à ce que ça arrive. Quand on est seul à manger, les rations durent nettement plus longtemps. Et puis il y a pire comme retraite que de mettre ses vêtements et ses soucis au rancard. Bien sûr, c'était avant l'apparition des chasseurs. Avec ou sans mes facultés mentales, je n'ai aucune envie d'étancher leur soif de sang. Tout tourne toujours autour de toi. Vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille? J'ai donné de bonnes bases à mon fils. C'était un gamin futé. Mieux valait qu'il suive sa propre voie. On a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques. Et quand les choses ont dégénéré, je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique. Jusqu'au moment où tu as eu besoin d'être sauvé. Qu'est-ce qui a causé l'agressivité des hommes? Cette planète a décidé d'étrange. J'ai vu des plantes que je n'avais encore jamais vues, sans parler du temps. Peut-être que certains se sont un peu trop acclimatés. Quand on est traité comme un animal, on devient un animal. Étonnant, non? Ces types-là, on peut les aider.
Cerberus peut organiser un ramassage d'ici quelques jours tout au plus. Il ne vaut pas le carburant pour l'extraire ni l'air qu'il respire. Et heureusement pour lui, il ne vaut pas non plus que j'appuie sur la gâchette. Je sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu. On va le remettre à l'Alliance. Pour chaque année qu'il a passé ici, il en passera 10 derrière les barreaux. Le temps n'y changera rien. S'il a pu commettre ça, c'est qu'il ne distingue plus le bien du mal. Désolé, Jacob. J'ai fait de mon mieux. Je t'aurais peut-être cru il y a 10 ans. Jacob était pas très loin. Est-ce qu'on peut avancer dans l'histoire ou est-ce que j'ai encore quelqu'un à aider? L'Alliance a envoyé des vaisseaux pour rapatrier le capitaine Taylor et son équipage, commandant. D'ici là, on sera parti depuis belle lurette. Qu'ils ne voient même pas le bout de nos clignotants. Bien reçu. Comment ça, c'était pas vous? Jacob, si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback, la façon dont vous avez résolu l'affaire me décrocherait un franc sourire. Or, je ne souris pas. Il n'y a rien qui transite par ce vaisseau, mon vaisseau, sans que vous en soyez informé. Rien ne m'incitait à croire que le père de Jacob avait survécu. Mais je suis ravi que cette situation soit enfin élucidée. Admettons que ce soit pas vous. Alors qui ? Moi ! Logique. Qui d'autre avait accès aux transmissions de Cerberus ? C'était à peine confidentiel, obscur à tout casser. À une époque, vous vous étiez confié à moi. En vous transmettant ces infos, j'avais l'impression de tenir parole. Et je tiens toujours parole. Miranda, votre interprétation libérale des protocoles de sécurité fera l'objet d'un débriefing à huis clos. Shepard ? Jacob ? Ça vous convient tout ça, Jacob ? Le capitaine Taylor peut aller moisir en prison. C'est pas ça qui va me pourrir l'esprit. En ce qui me concerne, le père que je connaissais est mort depuis longtemps. En fait, il a été assez bon père pour que même lui n'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris. Vous ne vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça ? Non. Elle a une bonne mémoire. Sélective, mais bonne. Moi, ça m'était sorti de l'esprit depuis longtemps. Tenir parole, pourquoi d'ailleurs ? Aucune idée. Et je tiens pas non plus à le savoir. Il lui faut quelqu'un de mieux que moi. Vous ne vous doutiez pas que Miranda était... Non. Tenir parole, pourquoi d'ailleurs ? Aucune idée. Et je tiens Allez, pas... Allez, bien, commandant. Shepard, merci pour le coup de main. Pas de soucis, Jacob. Merci de nous avoir détournés sur le Gernsback. Je suis soulagé de pouvoir rattraper ce foutoir. Et ne m'oubliez pas, ça n'affectera pas mon comportement en mission. J'ai tourné la page. J'aimerais en savoir plus sur vous. Déjà ? Je suis pas d'humeur, Shepard. J'avais plutôt envie Déjà de... Déjà ? Je suis pas d'humeur, Shepard. On se reparlera plus tard. Commandant. Oh là là, on s'est bloqué.
Shepard, que puis-je faire? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Mon profil psy concernait Okir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Il y a quelque chose que je devrais savoir. Vous avez des messages non... Autre chose, commandant? Vous avez une... Pour vous, toujours, commandant. Je ferai mieux d'y Très aller. Très bien. Je suis pas... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Il serait logique de penser que ce système était cartographié par un explorateur SLM indépendant, sans utiliser le relais. SLM est situé dans le système solaire interne. D'accord. Sonde déployée. Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde
déployer. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Petite géante composée, petite géante gazeuse. Les araignées est composée avant tout de l'hydrogène et de méthane accrétés autour d'un nouveau tellurique. Il ne reste aucune trace de la civilisation de Joab sur les araignées elles-mêmes, mais des débris en orbite autour de la planète indiquent la présence jadis de satellites artificiels. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Bon, c'est suffisant. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ?